Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo AT6. Voilà, c'est tout. Nouvelle, hein. La dernière, ça date de 3 semaines à un mois. Et c'était pas une ATC, c'était... Voilà, la dernière ATC date d'au moins un mois. Bref, voilà. On n'est pas là pour ça. Ça sera une ATC Disney Mickey. Voilà, je vous lance pas, tout de suite et je reviens tout de suite après. Donc pour cette ATC, je vais déjà découper à la taille d'une ATC, donc 8,9. Je dis ça pour les nouvelles qui connaissent pas. 8,9 par 6,4. Oh. Donc j'ai pris du papier aquarelle. Donc là, je vais en faire 4, une série de 4. Hop. Je vais prendre le tampon ATC, donc il est juste ici pour faire l'arrière, pour éviter de que je sois, on va dire, gêné à la fin. Voilà, bon, je vais le mettre de côté, je le nettoierai après. Donc ensuite, hop. Donc voilà, j'ai choisi 4 couleurs, donc ça sera rose, bleu, vert et jaune. Alors le plus dur, ça va être de trouver des mousses comme ça pour pouvoir distresser. Je vais prendre quelques tampons, alors là c'est... petit point, petit carré, je ne sais même plus. Je sais même plus si je l'ai en stock. Donc la verte. Je l'ai même pas fait droit. C'est pas grave en soi. La bleue. Et la rose. Voilà, ensuite, donc je vais prendre, donc ça, à nettoyer après, je vais prendre des taches. Je crois que je vais faire comme ça directement. Alors je vais faire ça et ça. Alors je vais même les mettre dans l'ordre. Voilà, hop, j'aurais pu nettoyer l'autre en même temps. Ensuite, hop, j'en suis là, tac, je vais partir pareil, au pire ça je le ferai en noir. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais
Donc, essayer de trouver une petite mousse. Mais je crois que j'en ai pas. J'en ai qu'une. En fait, j'ai perdu toutes mes mousses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement... Là, ensuite je vais faire ça, il me faudrait de l'eau. Alors je sais pas trop ce que je vais faire, est-ce que je fais couler dessus ou est-ce que je tamponne dessus? Pas trop, faut quand même garder le l'arrière-plan que je viens de faire. Je vais laisser sécher et je vais faire les autres. Donc voilà, mes fonds sont secs. Alors, je me tâte entre étoile ou chevron en fait. Je crois que je vais faire juste la ligne là. Cette ligne là. Tac tac tac, de la verre fine. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais les caler l'une à côté de l'autre. Hop. Comme ça, en fait, l'une est la complémentaire de l'autre. On va dire ça comme ça. Je vais faire pareil en fait, regardez, hop, je vais faire ça, ça, je vais nettoyer un peu. Hop. Et hop, là, hop, ouais, je dis plein de hop. Je vais refaire des tâches parce que finalement, je vais un peu sécher ma truc. Parce que des tâches, créa de moi sans tâches, c'est pas du créa de moi, on est d'accord. Finalement, je vais quand même faire quelques petites étoiles. Parce que je trouve que ça va bien avec. Je vais faire celle-ci. J'aime bien celle-ci. J'aurais peut-être dû déjà voir où j'allais mettre mon personnage dessus. Donc je vais prendre des tags en fait. Alors celui-ci sont assez vieux. Ces tags-là sont assez vieux. En fait j'étais en train de me tâter entre ceux-là ou ceux-là. Mais ceux-là en fait vont mieux avec. Donc je vais prendre un dingo comme ça marron qui va aller avec la jaune. Le Mickey vert qui va aller avec le vert. Alors là c'est ça, alors le rouge c'est sûr avec le rouge, et après c'est là. Je ne sais pas si je garde Pluto ou Donald, parce que finalement Donald irait bien avec celle-ci vu qu'il a le bec jaune. Ou est-ce qu'on ferait pas genre Donald là? Bah on ferait pas, hop, et ça, et au pire là je vais distresser en bleu. Non, vous savez quoi,
Je vais rester sur ma première impression parce que finalement il a des yeux bleus de Donald. Et là il n'y a pas du tout de bleu. Je vais rester comme ça. Ou je prends le bleu d'ici quoi. Non. Ou je prends que des Mickey. Et je regarde si j'ai pas un Mickey jaune. Qui pourrait passer. Comme ça. Et finalement je prends que des Mickey. On va faire ça. Ça sera une série Mickey, pas de, bah, c'est une Disney, mais une Disney que Mickey quoi. Je ne veux pas non plus les laisser vierges comme ça. Genre je les ai juste pris, je les ai juste mis. Donc je vais les gratter déjà pour commencer. Je vais les distresser de la couleur. Donc celle-ci c'est le rouge. Hop. Au moins quand même faire quelque chose de sûr. Je vais faire ça et je vais aussi prendre du Twins. Hop, que je vais mettre comme ça. Hop, loupé. J'en ai loupé un. Je vais recommencer. Voilà. Et donc je vais la coller comme ça dessus pour quand même qu'on voie le fond que j'ai fait. Donc finalement je vais être obligé de refaire une tache là parce que celle-ci va cacher. Je vais coller. Ouh, il a froid mon pistolet à colle. Je vais couper le surplus. Et donc je disais la tache ou une étoile? Les deux. Pourquoi se contenter que d'une chose? On peut faire et la tache. Et l'étoile. Et je vais même refaire une petite étoile à côté. Il est où? Il est là. Voilà. Je vais même encore refaire une autre. Là, je tamponne qu'une seule. J'enlève le surplus sur la grosse étoile. Voilà. Donc maintenant j'enchaîne les autres. Voici donc mes petites ATC. Vous voulez peut-être les voir de plus près, de plus proche. On va faire comme ça. Voilà. La verte, la rouge, la bleue et la jaune. Et vous savez quoi? J'étais tellement motivé ce jour-là que j'ai fait les mêmes mais en mini, donc tout dans le thème rouge et gris. Voilà, donc j'ai utilisé pour ces ATC, hop, que vous avez peut-être vu sur Instagram ou sur Facebook, j'ai utilisé le tampon chevron, donc juste la barre du tampon chevron que j'ai encore en stock. Les tampons étoiles, désolé, je n'ai plus en stock. Le tampon carré broc, c'est carré broc parce que je ne savais plus le nom du pochoir, du tampon, c'est carré broc. Et le tampon tache, il m'en reste pas énormément, il m'en reste que 3 en stock. Ouais, je me suis renseigné avant de pouvoir faire cette vidéo. Voilà, bref, j'espère que ces petites ATC vous auront plu. N'hésitez pas à me dire hein, si vous êtes content que les créas reviennent et que... Voilà, me dire ce que vous pensez de ces petites ATC. N'oublie pas de mettre un petit pouce rouge, n'oublie pas de t'abonner et d'actionner la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.